C'est qui? Bref. Ça va, c'était bien, hein? Ouais, franchement, j'espère que j'ai mon trajet sur Snap, la vérité. Ouais, ben. Hein? T'es où, là? Non, mais calme-toi, dis-moi où t'es. Ils sont où, eux? Non, mais reste où t'es, bouge pas. Non, appelle pas les flics, rien, j'arrive. J'arrive, attends-moi où t'es. Attends-moi. Zgi, j'ai ma femme, elle vient de se faire agresser. Ouais. Tu viens avec moi? Vas-y, go, viens. Ouais, un truc de fou, Zgi. Un truc de fou, genre là ma femme, elle me dit, ouais, elle s'est fait agresser. J'espère qu'ils l'ont pas touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment pas? En fait, ma femme, elle m'appelle, là. On a fini le tournage, j'ai reçu un coup de téléphone. Ma femme, elle m'appelle, elle me dit, ouais, bébé, je me suis fait arracher le sac, ils m'ont volé le sac et tout, machin. J'ai dit, tu es où? Elle m'a dit, je suis à tel endroit. Je dis, bah, bouge pas, j'arrive. Donc j'espère qu'elle a rien, j'espère pour eux, parce que si je les retrouve, ça va leur faire tout drôle, hein. Ma parole. Elle est là. Hé, ça va? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont frappé? Oui, ils t'ont frappé, t'en sais quoi? Le couteau, ils m'ont tiré, ils m'ont mis un taquet comme ça. Tu rentrais du travail, là? Oui, mais ils sont partis par où? Ils sont partis de la maison. Ils t'ont frappé, t'as enlevé la maison? Oui, ils ont sorti le couteau, ils m'ont envoyé un taquet en plus. Ils sont partis vers où? Non, après ça. Ils sont partis vers où? Bébé, ils sont. Je m'en fous. Où ils sont partis? Bébé, je t'ai tourné dans tous les cas. Ils sont partis à droite. À ta gauche, dis-moi, s'il te plaît. Appelle ta mère. Viens, je te ramène à la maison. Non, mais... Bébé, s'il te plaît, j'ai pas temps à perdre. Viens, je te ramène à la maison, s'il te plaît. Viens, je te ramène à la maison. Et après, t'inquiète pas. Non, t'inquiète pas, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul, y'a. Il y a mon collègue avec moi à la maison. Je rentre, je te dépose et après, je fais. À quoi il ressemble? À quoi il ressemble? Ils étaient deux. Deux, comment? La taille? Grand, petit? Je sais pas, il y en avait un, il est grand, normal, je sais pas. Casquette, habillé comment? Leurs habits? Dis-moi leurs habits, s'il te plaît, vite, s'il te plaît, dis-moi leurs habits. Leurs habits, c'était quoi? C'est quoi? Ils habillés comment? Mais tu les as vus, bébé, s'il te plaît. Mais j'ai vite fait, comme ça, tu crois que quand... Toi, tu crois que quand tu t'arrives quelque chose comme ça, tu joues comme ça? Bébé, vous avez... Un t-shirt, un t-shirt blanc, noir, c'est juste ça? Je sais pas, je crois qu'il avait un pull noir. Un pull noir et l'autre? Il avait les cheveux longs, je crois, avec le pull noir. Ok, et l'autre? Je sais pas, gris peut-être. Un t-shirt? Cheveux courts, l'autre? T-shirt? Bébé, c'est important, t-shirt. Oui, je crois, oui, je suis pas sûre, oui. De toute façon, ça va rien changer. Si je les trouve, ça, c'était... Bébé, ça va rien changer. Je vais pas les chercher. Viens, on perd pas de temps, s'il te plaît. Attends, viens, ils t'ont pris quoi? Que le sac? Le sac? Il y avait quoi dedans? Ma carte d'identité, mon portefeuille, ma carte bleue, tout. Je te dépose à la maison. Et après, je... Après, c'est mon... Après, c'est mes affaires. Mais tu vas... Bébé, s'il te plaît, allez, viens, je te ramène. Je te ramène à la maison. Monte vite, on n'a pas de temps à perdre. Zgi, viens, on y va, viens. Viens, gros. Je vais rentrer pourquoi moi et tu sais pas pourquoi toi on a quelqu'un et pas quelqu'un d'autre. Et ils t'ont dit quoi? Mais ils sont descendus au début, ils m'ont parlé, ça va, là, je suis dans chez moi, je suis fatiguée comme j'étais d'habitude. Ça me plaît, ils m'ont dit que par la femme. Mais ils t'ont branché, ils t'ont dit quoi? Ouais, ok. À pied, ils étaient? Ils sont arrivés à pied, ils sont repartis. C'est pas loin, frérot. Ça fait combien de temps à peu près? Dès que tu m'as appelé? Oui, là, quand je t'ai appelé. Y'a quoi? Je sais pas, mais toi, je sais pas, 2 minutes, même pas. 2 minutes après, tu m'as appelé? Ouais, même pas. Bon, écoute, je te dépose à la maison. Je te dépose à la maison. Non, je reste pas avec toi, bébé. Je vais voir si je trouve déjà. Bébé, je vais faire le tour de France. Si tu veux, mais je vais retrouver. Comment ça va changer quoi? Ben, ça change que si. Je peux te récupérer. Mais je m'en fous de mon temps. T'inquiète. C'est Marseille, c'est tout. Oui, bah oui, je sais. Alex, arrête de filmer, on va déposer ma femme. Je veux pas qu'on voit où elle habite, où on habite. Et on refilme après, s'il te plaît. Allô? Ouais, Loubi? Ouais. Tu fais quoi? Ça va? Ouais, tu fais quoi là? Rien, là, je suis avec Fabio et Nathan là. Pourquoi? Tu es où? Vous êtes chez toi? Ouais, je suis en bas de chez moi. Ouais. Vas-y, s'il te plaît, vas-y, venez, il y a un brouille, j'arrive là, je vous récupère. Comment ça, il y a un brouille? Vas-y, je t'expliquerai, j'ai pas le temps, vas-y. Restez où vous êtes, j'arrive, restez où vous êtes. Vas-y, bah, viens devant chez moi. Vas-y. On va récupérer 3 collègues à moi, comme ça au moins, t'as compris, c'est jamais. Parce que ma femme elle a dit, ils ont sorti un couteau et tout, frérot. Ouais. On vous met qu'on soit plusieurs, tu vois. C'est bon. Les gars, montez s'il vous plaît, il y a un problème, il y a un bruit. Ma femme elle s'est fait agresser. Je te jure. Montez l'autre côté. Serrez-vous au max. C'est pas grave, si on est 6 dans la voiture, c'est pas grave. Les gars, je vous explique, ma femme elle vient de se faire agresser là. Comment ça? Elle s'est fait agresser, genre ils lui ont volé le sac et tout. Mais non. Donc. Elle avait un sac là, sac à main frérot, ils ont volé le sac à main et il m'a dit ils sont partis vers là. Donc je vais tourner, le mec les gars, s'il vous plaît regardez partout. Si vous voyez un mec avec un t-shirt gris ou avec un pull noir, cheveux longs, vous me le dites, d'accord? Détaché? Ouais je sais pas, le mec cheveux longs. Attends. Cheveux longs?
Bah, ouais, il y a un mec pull noir et là t-shirt gris. Cheveux longs en plus. Ouais. Vous croyez c'est eux les gars? Ah ouais? Faut voir. Oh les gars! C'est vous venez d'agresser ma femme? Oh! Vas-y, tourne. Ouais, mais je m'en bats les couilles, je l'écrase moi. Vas-y. Où il va? Vas-y, à gauche. Oh! Oh! J'ai fini! Arrête de cavaler, con de ta mère! Les gars, venez, venez vite! Toi, tu as agressé ma femme? Eh, bande de trous! Vas-y, donne-moi les affaires! On arrive! Il est où le sac? Il est où le sac? Il est où le sac? Attends, Fabio, va me prendre le téléphone, s'il te plaît, il est calé, j'appelle ma femme en visio, elle va me dire si c'est ou pas. Bouge pas. Merci frérot. Vas-y, j'appelle ma femme en visio. Si elle me dit que c'est vous, les gars, je vais pas parler avec vous. Je vais même pas discuter. Je vais même pas discuter. Je te ferme ta gueule, reste là. Reste là. Si c'est pas vous, on s'excuse. Bébé. Ouais, tu m'entends? Je vais te les montrer, tu me dis si c'est eux. Est-ce que c'est eux? Regarde, laisse-toi voir le fils de p***. Regarde ce que je vais te faire, hein. Regarde le con de ta grand-mère, la p***. Fils de p***. Attends, t'as mis la main sur la fin, je vais te niquer ta mère. Je sais pas lequel de deux il a frappé, je vais vous niquer vos mères. Oui. Maintenant, hein. Tiens, c'est... T'es mort, Tranquille. Loubi, moi, là, je vous ai pas fait venir pour me retenir. Je vous ai fait venir si jamais ils étaient plusieurs. Tu veux qu'on leur casse le cul? Elles sont où les affaires de ma femme? Elles sont où les affaires de ma femme? Elles sont où? Lâche-moi! Comme toi. Je vais les tuer, frérot. Frérot, tu es un fou, frère, ce qu'ils ont fait. Vous êtes des fous, vous me dites. Quoi, vous me retenez alors que c'est eux qui ont fait un truc de fou? Frérot, tu veux les tuer? Viens, retrouve les affaires de ta femme. Tu veux les tuer? Tranquille. On retrouve les affaires de ta femme. Tiens, retrouve les affaires de ta femme, sinon tu as aucun moyen de prouver que c'est eux. Ils vont prendre les affaires d'abord. Mais Zgui, ils ont pas les affaires, ces fils de pute. Ils les ont pas, tu vois, pas ici. T'inquiète pas, ils vont payer. Ils sont passés sur la route de toute façon. C'est à toi ça? Tu veux? Moi je te prends un coup de poing américain, je te fends le crâne en deux frérot. Tu veux je te fends le crâne? C'est vous? Bande de fils de p***. Ma femme elle... C'est une mytho ma femme? Ma femme elle ment, c'est ça? Ma femme elle ment. Mais qu'est-ce que tu vas? Ma femme c'est une mytho. Si, c'est pas moi. Ma femme c'est une mytho, c'est ça? Je veux dire ma femme c'est une mytho. Viens, on va aller chercher. Ils sont où les affaires? Oh, bon, c'est simple. Je vais serrer. Faut remettre des chiffres, tu avais des bonnes chiffres. Ah, vous voulez qu'on vous... Je l'attends pas. Vous voulez qu'on vous... Vous voulez qu'on vous... C'est ça, vous voulez qu'on vous... On parle depuis tout à l'heure, on est gentil, vous voulez qu'on vous... Attends, vous voulez qu'on vous... Tu veux des taquets dans la bouche? Toi aussi, tu veux des taquets? Mais... Taquets pourquoi? Rien de choix, c'est pas... Pourquoi tu cours alors? Pourquoi t'as été dit? Est-ce que t'as agressé ma femme? Tu pars en cours? Pourquoi c'est agressé? Tu vois des mecs, je suis pas sûr, ils sont là... Tu n'as pas couru sinon... Rien dans la sacoche. Et tu aurais pas un poids américain dans ta sacoche? Non, c'est ce que je dis. Au cas où. Les gars, vous les avez fouillés? Vous avez fouillé quoi, la sacoche? Vous avez fouillé la sacoche? Fouille les couilles! Fabio, fouille-lui les couilles, frérot! Fouille-lui les couilles! Ça, c'est le portefeuille à ma femme. Ça trouve du cul. Regarde les cartes bleues. Dis-moi si c'est le même nom. Ah, c'est bon, c'est ma femme. Donc, on fait quoi maintenant? On fait quoi? Loubi, lâche-moi. Je vais m'emboucaner avec. Loubi, lâche-moi. Ça va. Non, frère. Appelle les flics parce que sinon je vais les tuer. Oh, les gars, je vais les tuer. T'as pas une idée? Je vais pas leur faire un truc de fou, hein? T'as pas une idée? Je leur fais une méchante. Vas-y, venez avec nous. Venez, viens là. Ça c'est rien, ce qu'on t'a fait, c'est rien. Vas-y, viens.
Mais ce qu'on t'a fait, c'est rien du tout. On a trouvé une petite sentence. Donc cette fois, la sentence qu'on va faire... Bon, je vous laisse regarder en image, vous allez comprendre. Vous êtes prêts, bande de trous de balle? Vous êtes prêts? Eh ben, il va falloir, hein. Ça va, Zmi? Ouais, en vrai. Devant les gens et tout. Ça va, tu vas faire le tournis, Guy? Parce que moi, je vais gerber dans pas longtemps, frérot. Ouais, ça va. Là, c'est pas grave. Exactement. On n'agresse pas les femmes. Parce que... J'ai la tête qui tourne. Ah. Il s'embrouille. Quand on est en tort, on ferme ça. Dis pardon. Attends, j'ai une idée. Attends, laisse Guy, bouge pas. Passe-moi le micro. Le micro, je vais le remettre dessus. Mais j'ai rien fait, moi. Ils savent pas que c'est moi. Ah, dis pardon. Tu trouves pas? Aïe. C'est quoi ça? Non. T'as qu'à descendre, tu verras. Mais toi, dis pardon, c'est toi qui as fait, c'est pas moi. C'est toi! Hein? Pardon, papa Ski. Ski la night! C'est toi, t'as, toi aussi, tu as fait excuse-toi, toi, non? Ah, non, lui, je lui dirais. Prends, c'est moi, je prends. Oh, tu t'es manqué. Dis pardon. Vas-y. Ah, ouais. Un petit coup de taquet, parce que je crois pas, frérot. J'ai envie de te mettre des droites, mais je peux pas. Allez, par rapport à YouTube. Parle. Mais t'inquiète, donc on va éteindre la caméra, frérot, ce sera plus la même. Donc vas-y, dis pardon. Dis pardon, sinon on va vous déchirer. Excuse-toi, toi, hein, derrière. On va vous déchirer tous les deux. Bah, tout le temps qu'il s'excuse, lui. C'est juste pardon. Regarde, les mecs, ils ont un truc à te dire. Bouge pas, hein. Ah, juste pour te dire, désolé. Je savais pas qu'on avait affaire et je regrette beaucoup de t'avoir pris le sac, les affaires et tout. Je t'ai tout récupéré, mais je t'ai récupéré les affaires et tout, hein. Le sif qui s'excuse. Voilà, je regrette. T'as entendu, je t'ai tout récupéré. J'espère que vous pourrez me pardonner pour ce que j'ai fait. Je recommencerai plus. Il y a lui aussi. Tiens, vas-y, excuse-toi, fils de. Bah, tu peux nous libérer ou pas, du coup? Je suis libéré. Vas-y, dire que t'es une. Vas-y, excuse-toi, ça, tu vois ça ou quoi? Je t'excuse. Hey, vous avez dit pardon, c'est bien. Maintenant, tu arrives parce que là, je me suis calmé. Soit maintenant, on vous dégomme. Soit je vous laisse comme ça. Allez, je vais faire. Merci à Zgila Night, rajoutez-le sur Snap, il est sur les réseaux sociaux. Merci à Natouné. Natouné, il est sur Instagram, il est célibataire. Il vend des formations pour tout, vous le savez. Si vous avez besoin de formation, vous le savez. Donc merci à Fabio, rajoutez-le sur Instagram, il fait des acrobaties, il saute dans le ballon des offres, comme je dis à chaque fois. Si vous aimez les acrobaties, truc sensation forte, rajoutez-le frérot. Et Loubi, qui sert pas à grand-chose. Mais en tout cas, on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, vous avez de la chance, les gars. Parce que s'il ne m'avait pas retenu ni lui, ni Zgi, vous étiez mort. Hein. Donc merci à Loubi, rajoutez-le sur Instagram, les gars. Rajoutez Loubi sur Instagram, c'est grâce à lui aussi que j'ai peut-être évité la prison parce que je les aurais tués. Voilà. En tout cas, on a tout récupéré, c'est le principal. Par contre, toi. C'est mon taquin, ma femme m'a dit que c'était toi. Là, c'est pas moi. C'est taquin, ma femme. Je jure, c'est l'idée. C'est l'idée. Bear in mind, keep your eyes open, don't ignore the signs. There's crocodiles, alligators, snakes down.